Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés qu'on peut apporter donc au pick-up insurgent qui est juste derrière moi. Pour les personnes qui l'ont pas encore acheté, on peut l'acheter donc sur le site du Warstock qui est juste ici. Donc il était déjà présent dans la mise à jour des braquages, juste là, pick-up insurgent. 1 350 000 dollars donc pour ce véhicule, ce qui n'est pas donné. Les personnes qui l'ont déjà acheté, vous n'aurez pas besoin de le racheter. Je vous mets un petit screen donc à l'écran pour vous montrer les deux nouvelles recherches qu'on peut débloquer au bunker. Donc pour ce véhicule, je les ai déjà débloquées. Du coup, on va l'emmener au centre d'opération mobile, le custom, et voir un peu tout ce qu'il y a disponible pour l'améliorer. Notamment la transformation, j'espère qu'elle ne va pas être trop chère, la transformation qui va nous permettre de mettre ce véhicule dans les garages personnels. Là pour l'instant, si vous le laissez comme ça, le petit point négatif, c'est que le seul moyen de l'avoir, c'est d'appeler Pegasus. Après la transformation, comme pour le Karine Technical qu'on a modifié, vous pourrez le placer dans un de vos garages. Allez, c'est parti, transformation. 192 000 dollars. Ça peut aller pour le prix du véhicule, c'est pas trop cher. Le véhicule, lui, je vous ai montré, il coûte 1 300 000 dollars. Allez, transformation. Pas mal. Petite barre en plus, le petit camouflage. Il a de la gueule. Alors, le blindage renforcé. Ok, alors. Sans blindage renforcé. Ici, on a le blindage léger, blindage moyen et le blindage lourd. Bon, il est pas mal. On va mettre celui-ci. Au moins, même le mec à la tourelle, il est protégé. Les freins, on les met à fond. Le moteur, reprog niveau 4. Le klaxon, on s'en fout un peu. Éclairage, on va mettre les phares xénon. Motif, ça, c'est pas mal. Je vous remonte un peu tous les motifs. Histoire de vous faire aussi une petite idée du véhicule si jamais vous voulez le transformer et le modifier ou si ça vaut pas le coup. Hop, le petit tour des motifs. Nous, on va mettre celui-ci. Hop là. Ensuite, plaque. On s'en fout un peu. Noir et jaune. Mine de proximité. On va les activer. Peinture, on verra après. Suspension. On va pas le rabaisser. Transmission à fond. Le turbo, on le met. Les armes. Alors, mitrailleuse d'origine. Et ensuite, grâce à la recherche du bunker que vous pouvez débloquer. Minigun calibre 50, regardez avec le petit canon en triangle comme ça. Il est magnifique, on va le mettre, c'est pas donné. Ensuite, les roues, on va les laisser comme ça, juste mettre à l'épreuve des balles, normalement ça l'est déjà. Ensuite, les fenêtres, on les teinte. Et on va vite fait, je vais vous montrer un peu toutes les couleurs pour ce camouflage. Un bleu aussi, comme ça il est beau. Ah, il est beau. Bon, après, jamais vous verrez un véhicule camouflage comme ça, à part sur un RS6 quoi, mais oh putain, j'aime bien aussi comme ça. Orange, il est beau. Pas, je vais mettre ça. Oh, il est stylé. Couleur secondaire, ça c'est pour modifier du coup. Ok, tout le reste, on va laisser ça comme ça. Oh, il passe bien comme ça. Est-ce que je peux pas modifier peut-être les couleurs des jantes? Je pense pas que je vais pouvoir. Couleur des jantes. Ah non. Ah, faut que je les modifie du coup. Tout terrain. Jantes de série. On va mettre genre celle-ci. Couleur des jantes en blanc là, ça fait bien ou pas? Voilà. Il est stylé quoi. Sortir du bunker direct, on va aller tester ça. Je vais vous montrer quand même une petite vue première personne du véhicule. Dommage, il fait nuit. Attendez, je vais quand même re-rentrer dans le bunker pour vous montrer. Oh, il a de la gueule. Hein. C'est stylé la protection pour le mec qui a la tourelle. Regardez par exemple le Karine Technical. T'as celui qui est derrière quoi, il prend trop cher. Là au moins il est protégé, c'est pas mal. Le bas du corps dans la voiture, le haut du corps protégé par les plaques. Je pense qu'il va être bien. Alors, petit tour en vue à la première personne. Allez, sors s'il te plaît, merci. Alors, bim. Franchement, il a de la gueule. Il est beaucoup plus agressif, quoi. Alors, juste pour regarder. Ah, il a peut-être moyen de. Je vais voir. Je vais faire une petite coupure. Je vais tester de mettre la tourelle anti-aérienne à l'arrière de l'insurgent. Voilà, donc là je vous montre rapidement donc, que le pick-up insurgent custom après la transformation peut bien se placer dans un de vos garages. Là il est dans l'Eclipse Tower numéro 31. Je vais le demander. Ah putain, je suis trop près de ce véhicule. Je vais le demander et je vais voir si je peux accrocher la remorque anti-aérienne juste derrière. Donc malheureusement, malgré la petite bite qu'on peut voir derrière, là on voit qu'il y a quand même une attache remorque, hein, mais on n'arrive pas à. J'arrive pas à l'accrocher, donc malheureusement ça ne fonctionne pas. Ensuite, on va faire un petit tour sur l'autoroute. Je vais vous montrer un peu l'efficacité de la tourelle qui est juste au-dessus. Non, ah oui, alors attends, voir. Bouge pas, véhicule. Accès véhicule, voilà, crew ami. Tu devrais pouvoir rentrer. Moi, du coup, pour mettre à la tourelle, faut que je rentre par derrière, si je dis pas de conneries. Et que je fasse flèche de droite. Ah, bah, il monte direct, magnifique. Direct sur l'autoroute.
plus gros calibre. Regardez, mon joueur est complètement... À part des côtés. Il est juste pas protégé des côtés, mais devant et derrière, je suis protégé. En cas d'attaque, à mon avis, c'est ce qui risque un peu le plus de me niquer. Et on va voir un peu sur les voitures. Oh putain. Oh putain, c'est efficace de fou. J'ai mis plein de balles à côté. Je vais essayer d'avoir une voiture un peu plus près quand même. Ah, ça a l'air d'être efficace de fou. Après, on sait aussi que sur ces véhicules-là, les mitrailles sont en balles illimitées. C'est juste normalement les roquettes. À un moment donné, il n'y en a plus. Elle a l'air de faire mal. Hop, alors attends, je vais le mettre en vue à la première personne aussi. Ça vibre beaucoup moins. Oh, ça fait mal. Oh, elle est trop efficace. Regarde-moi comment elle bute la voiture. Ah, deux balles. Ah, 4-4, un peu moins. Ah, elle était résistante. Ouais, 4-4 baladée. Non, franchement, c'est efficace de fou. Les gars, en tout cas, j'espère que la petite présentation vous a plu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Now, let's go. Let's go.